Salut, c'est Megadriver16, on se retrouve pour la suite des chroniques de Halo. Aujourd'hui, le chapitre 6, avec donc la mission 343 Guilty Spark. Mission particulière, puisque dans cette mission figure ma cinématique préférée de tous les temps, je crois qu'on peut dire ça comme ça, celle qui m'a le plus impressionné quand je l'ai vue et qui me laisse le meilleur souvenir. Elle est au milieu du chapitre, là vous allez voir ça. On va s'aventurer dans un marais et rencontrer le seul ennemi que craignent les Covenants, effectivement, lors de l'attaque de la salle de contrôle, le chapitre précédent. Cortana nous avait dit qu'elle avait repéré, tout en restant mystérieuse, de nouveaux ennemis que craignaient les Covenants eux-mêmes, alors que pour le moment c'est les seuls ennemis que nous connaissons. On va aller chercher, il faut secourir le capitaine Keyes apparemment. Merci. Et d'ailleurs, l'épave, elle est là. Il y a une épave de vaisseau de l'UNSC. Utilisation Victor 933. Si quelqu'un m'entend, j'ai besoin d'aide. Légèrement attaqué par une sorte de nouvel ennemi, pas Covenant. Capitaine Keyes a été capturé par l'ennemi. On est caché dans une vaste structure en pleine zone marécageuse. J'ignore combien de temps on tiendra. Envoyez une message. Il repassera en boucle toutes les minutes. Mission Victor 933, terminée. Ok. Donc il faut vraiment aller chercher le capitaine Keyes. Attention, ici des Covenants qui ont été débarqués. Maintenant il faut s'occuper de ceux avec leurs boucliers. Pendant qu'on entend le message qui passe en boucle. Celui-là, il est mort. Donc effectivement, le message n'est pas rassurant. Eh bien, il n'y a pas de munitions ici. Bon, en tout cas, on sait qu'on a des trousses de secours, mais elles ne nous servent pas aussitôt dans la mission. Regardez cette petite pluie fine qui tombe dans cette zone marécageuse. Ambiance très particulière encore sur ce chapitre, c'est vraiment ça que j'avais aimé dans Combat Evolve. Halo Combat Evolve, c'était ces changements d'ambiance. On a eu la neige, on a eu la prairie du premier chapitre de Halo. Le vaisseau, la maison d'infiltration de nuit, et là, cette ambiance marécageuse avec également un vaisseau Covenant là qui atterrit d'une manière surprenante, si on peut dire. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Non, ils sont morts ceux-là. Faudrait que je passe sur ce tronc d'arbre, je pense.
Personne ne s'est mis encore sur cette tourelle. Eh bien, on va y aller. Il faut trouver une structure Forerunner d'ailleurs. On va faire un petit peu le ménage. On dirait que l'entrée de la structure est là-bas justement. Elle a l'air bien gardée par les Covenant. Je vois sur mon radar qu'il en reste quelques-uns. Le voilà déjà. Là, il y en a un avec son petit bouclier. Il y en a qui m'ont pris à revers ou quoi ? Ouh, faut aller se planquer. Il y en a beaucoup trop ici à mon goût. Il s'est échappé, le grunt, c'est pas bien grave. Quoique, s'il me tire dessus, ça va pas se passer comme ça. J'espère qu'ici il y a un petit peu de vie. Je crois que oui, hein. Il me semble qu'on devrait pouvoir récupérer. Une trousse de vie. Je ne la vois pas, c'est peut-être en descendant. On entre donc dans cette structure dans laquelle il faudrait qu'on aille récupérer le capitaine Keyes qui s'est fait prisonner apparemment. Oula, là il y a du monde. Il en reste. Et alors, où est-ce qu'il va, le Grunt ? Bon alors donc ici il n'y a pas de vie non plus, j'aurais peut-être dû ressortir de la structure hein, parce que j'étais persuadé qu'il y avait une petite trousse de secours dans le coin avec quelques cadavres malheureusement des Marines à côté. Ils m'ont bien touché là. Ils m'ont bien touché. On va y envoyer une petite grenade dans le coin. J'espère que ça va faire son petit effet. Là, on peut pas passer, à part si on descend. Mais de toute façon, on va être obligé de descendre, hein, je pense.
À moins qu'il y ait un panneau, le panneau est cassé. Apparemment, on doit passer par là. Tiens, tiens, voilà ce que j'attendais. C'est parfait, ça. Plaque de santé récupérée. Maintenant, il faudrait essayer d'être un petit peu plus rigoureux au niveau de nos attaques. Il me reste plus beaucoup de balles pour le... Il ne reste plus beaucoup de balles pour le flingue. Pas d'ennemis à l'horizon. Les voilà. Quasiment plus de munitions. Il y a plusieurs endroits où passer, là on dirait il y a du verre. Par contre, il faudrait que je puisse aller activer un panneau de contrôle, là on dirait ici. Ouais, c'est un panneau de contrôle ça. Donc on a deux options. À moins qu'on soit déjà entré par là, en fait. Oui, il y a un cadavre. C'est bien par ici qu'on est rentré, donc on va prendre l'autre... L'autre porte... qui est ouverte. Oula. Il y a eu un carnage, et c'est pas nous, ça, hein. Il y a des gouttes qui tombent, on se croirait dans Alien, le sang des aliens, on dirait, en vert, là. Pas de Covenant à l'horizon. Bon, pourquoi pas. Je ne veux pas devenir une de ces choses. Je vais vous faire sauter la cervelle. Laissez-moi. D'accord, donc lui il nous tire dessus. Sale monstre. Je ne deviendrai pas comme vous. Trouvez-vous une autre cachette. Les monstres sont partout. Faites les morts. C'est ce que j'ai fait. J'ai fait le mort. Ils ont eu tous les autres. Oh mon Dieu, je les entends encore. Les monstres. Il a l'air bien perturbé, hein, effectivement. Mendoza, Vicente, tous morts. Ces choses les ont emportés. Ils sont partis, vous entendez? Partis! Ils ne m'auront pas. Oh mon Dieu, je ne veux pas finir comme eux. On approche de la cinématique dont je vous ai parlé en début de mission. Eh bien, on va le laisser là, hein. Le pauvre fou, entre guillemets, traumatisé.
On ne sait pas trop pourquoi, ni comment. On s'en doute que c'est un rapport avec ce qu'indiquait Cortana. Parce qu'ici, il y a quand même du dégât. Il y a des taches de sang, des Covenants qui ont été massacrés. Est-ce que c'est les Marines qui ont réussi à faire ça? C'est pas sûr. En tout cas, il y a un mystère là. Il se passe quelque chose. Ici, il n'y a rien à activer de particulier. Ok. On fait demi-tour. Voilà le pont que je voulais activer, mais on était en bas, oui, tout à l'heure, c'est bien ça. Ah, qu'est-ce que c'est? J'ai réussi à récupérer quelque chose. Là, il y avait une munition, je crois. Rien activé. On est derrière une salle là, ok. Donc a priori il va falloir descendre. Ah, il y a de la vie, des munitions. Et là voilà, la fameuse cinématique en question. Je vous laisse profiter. Ambiance. C'est donc le Marines Jenkins, le casque en tout cas. Toujours nous infliger ce sermon, sergent. Attention à ce que vous dites. Ce sermon est votre histoire. Cela devrait vous rappeler pourquoi nous nous battons. Hey, si les Covenants veulent effacer cette partie précise de mon histoire, ça me va. Oui, plutôt l'histoire que nous. Demandez-leur gentiment la prochaine fois, Vicente. Je suis sûr qu'ils seront ravis de rendre service. Ça me paraît calme. On se pose. Go, go, go! Restez tout près, Jenkins! Mendoza, avancez! Attendez le capitaine et ses gars ici, puis suivez-les. Chef! Ok, on y va! Bizarre, non? Tenez, regardez! Quelque chose lui a ouvert la poitrine pour s'y faufiler! Qu'est-ce que c'est? Une incision plasmique? Peut-être, je sais pas. Il a peut-être eu un accident. Vous savez, tir fratricide, je sais pas. Qu'est-ce qui se passe, sergent? On dirait une patrouille de Covenants. Unité d'élite, des coriaces, tous décalqués. Très joli. Un ami à vous? Non, on vient de faire connaissance. Bien. Ouvrons cette porte. Je vais essayer, chef. Mais on dirait que les Covenants l'ont bien verrouillée. Débrouillez-vous. Oui, chef.
le sens pas, ce truc. Eh, vous avez toujours de mauvais pressentiments. Capitaine, sergent, vous m'entendez? Qu'est-ce qui se passe, soldat? Nous sommes en contact. Il y en a plein, mais ils ne sont pas Covenant. On est complètement dépassés. Non! Non! Caporal, vous me recevez? Terminé. Mendoza, filez sur la position du deuxième groupe. Et tâchez de voir ce qui se passe là-bas. Pas le moment de discuter, soldat. Je vous ai donné un ordre. Mais sergent, écoutez! Qu'est-ce que c'est? D'où ça vient, Mendoza? Je... Là! Regardez! Ne bougez pas! Ne bougez pas! Faites-leur d'en fait! Sergent, on est cerné! Bon sang, Jenkins! Ouvrez le feu! Il y en a trop, sergent! Ne tentez rien, soldat! Revenez ici, soldat. C'est un ordre. Jenkins! Eh bien voilà, on sait ce qui s'est passé. C'est l'horreur, c'est... ignobles, des sortes d'aliens, des nouveaux ennemis donc qui sont arrivés et qui ont dégommé tous les squads là qu'on a vu avec cette superbe cinématique. Et comme on peut s'en douter, ça nous arrive dessus maintenant. C'est pour nous, c'est notre fête. Alors je crois qu'ici, non, ça sert à rien d'essayer de passer par là. Pour se sortir de cette pièce, il va falloir attendre que toutes les vagues de ces nouveaux ennemis arrivent. Et donc, c'est donc ça qui se fout. Sur les hommes, et a priori les Covenant aussi, et qui les parasitent. Attention, nouvelle arrivée massive. J'ai l'impression, vu le point rouge qui arrive là. Bon, ils sortent ou ils sortent pas? Attention, j'en ai vu derrière aussi. J'ai vu un point rouge derrière. Et encore cela avec l'armure qu'on possède, c'est pas très grave, sauf si on est submergé. Ils nous font pas trop de mal, mais comme vous allez pouvoir le voir, d'ici peu, quand ils ont parasité et que ça a bien pris, ça fait des sortes de monstres ignobles. En plus, ils éclatent en chaîne, donc ça va. La musique ne me dit rien qui vaille. En voilà encore. Et voilà, ceux que je redoutais, ils sont là. Donc autant y aller aux flingues, voyez ce que ça donne quand ils ont réussi à parasiter. Et ils se relèvent en plus, hein. Est-ce que c'est bon maintenant? On peut passer quelque part, là c'était l'entrée. Je crois que ça s'était refermé derrière nous, je crois. Peut-être par là qu'il faut rentrer à nouveau. On va essayer de faire le plein de toutes les munitions possibles. Je pense que là on a fait... On
a fait le tour des différentes entrées de parasites qui nous permettent maintenant de débloquer la salle. Bon, j'ai pas besoin de la trousse de secours, tant mieux. On va vérifier tout ça. Oui, ici on peut pas passer, c'est par là où ils sont arrivés. Ah ben c'est peut-être ici qu'il faut qu'on s'en aille. Non, c'est pareil, c'est une arrivée cul-de-sac. Là on peut pas y aller. Et là on peut pas y aller, donc c'est bien ça, il faut faire demi-tour et probablement essayer de remonter d'ailleurs, ça va être ça le but maintenant. Ouais, il s'éclate sur nous, c'est pas bien grave. Ah, on risque de mourir quand même, hein. Je vous ai déjà habitué à mourir un petit peu lors de mes différentes vidéos, mais là avec les parasites, c'est d'autant plus probable. Alors là, on peut passer par là. Oh là, ça se bataille dur là, hein, entre les Covenants et les parasites, qu'on appellera les Floods donc. Et nous, il faut qu'on remonte. Alors, est-ce qu'on peut passer par là? Est-ce que c'est bien déjà de passer par là? Ah, il y en a qui surveillent là. De toute façon, il faut retrouver le grand ascenseur. Ah tiens, encore une bataille Covenant parasite. Qui m'ont repéré là. Oh les salauds, ils s'occupent de moi alors qu'ils sont fort à faire avec des parasites déjà. On va les laisser se batailler entre eux. Je sens qu'il faut qu'on entre par là. On va faire un... Allez, il faut qu'on trouve cette sortie. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, voilà qui est intéressant. Un fusil à pompe, c'est la première fois qu'on en a un. Et ça va grandement nous servir. Oh, oh, oh. Il n'y en aurait pas derrière. Est-ce qu'ils vont se relever déjà ceux-là? Apparemment non. Pas la peine de gaspiller des munitions avec ceux-là. Eh bien, c'est parfait ça, on dirait qu'on est à un ascenseur. Par contre, je crois que il va me faire monter plutôt que... Enfin, il va me faire descendre plutôt que monter, je crois, malheureusement. Eh oui, c'est la mauvaise nouvelle, il me fait descendre alors que nous, ce qu'on veut, c'est remonter. On va tout de suite se positionner, quoique, si. On va
On va tout de suite prendre donc ce fusil à pompe. Et comme vous voyez, ils utilisent des armes Covenant ou humaines, hein. Peu importe. Ouais, c'est bien des cadavres. Tiens, ça c'était un Marines, hein, qui s'est fait parasiter. Regardez, là on a vraiment, avec l'arme, et un Marines qui a été complètement transformé, parasité. On n'est pas loin d'Alien, hein, ou de The Thing pour ceux qui connaissent. Alors là, le pont. Le pont est pourri. Donc on va pas réussir à passer. Qu'est-ce que j'ai entendu comme bruit là? Ah, j'ai pris un truc d'invisibilité, mais tant mieux. Donc ça veut dire, si le pont ne nous permet pas de passer, qu'il va falloir qu'on se débrouille. Observons un peu les lieux, tant qu'on est invisible. Et ouais, le passage, il a l'air derrière moi. Allez, on y va. Là, il me voit pas, c'est bon. Attention tout de même quand l'invisibilité va s'arrêter. Voilà, d'ailleurs, c'est fait. Encore ou quoi? Forcément, il y en a encore, on voit des points rouges, mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir est-ce qu'il y a encore beaucoup de bipèdes et pas les petits, pas simplement les petits parasites qui nous embêtent. Bon, il y a une trousse de secours, on n'en a pas besoin. Observons. Où est-ce qu'on va passer? Oh là 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 là. Et ça va là? C'est bien ça. Ça a fait un petit peu de ménage. Où est l'endroit où on doit passer? A priori, c'est là-bas. C'est vert. Bon, ils nous ont repérés, hein, tout de suite. Oh ben non. Ah non, on a dû passer de l'autre côté, voilà. Ça, c'est bien. Parce qu'il y a vraiment de quoi se perdre ici, hein. Je pense qu'au début, on était de l'autre côté du pont. On a réussi donc à le traverser, entre guillemets. Et il se relève, hein. En voilà plusieurs autres qui arrivent. Allez, venez les petits parasites. Alors, c'est pas en haut, a priori, qu'on doit passer. Moi, je viens de cette porte. Ah ben, merci. Là où ils viennent dangereux, c'est effectivement quand... quand on n'a plus de bouclier, là, les petits parasites peuvent s'avérer dangereux, surtout s'ils sont en grand nombre.
Allez, on continue notre chemin. J'espère le faire au mieux. Ok. Alors là, c'en est blindé aussi. Est-ce qu'il va falloir essayer de trouver un endroit pour remonter ? Tiens, est-ce qu'il m'a vu, lui ? On va aller se planquer un petit peu en attendant. Aïe ! Mais il y a quelqu'un qui me tire dessus ou quoi ? Soyons prudents. Alors, je peux passer en face. J'ai vu une lumière. Ici, c'est bloqué. Mais je crois qu'on va pas trop avoir le choix. Obligé d'aller en face. M'atterrit dessus, hein, et c'était un humain. On a vu à sa tête, même si elle était déformée, on a bien vu que c'était un ancien Marines. Ah, ça arrive là. Ça arrive ou alors ils m'ont pas repéré? Là, il y a l'air d'avoir du ravitaillement. Beaucoup de ravitaillement. Donc nous on est arrivé de là, ok. Là ça sert pas à grand chose à mon avis d'aller ici, quoique. Bon, je commence à me perdre, hein, c'est sûr. Moi, je viens d'ici. Ok. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de passage. Hein. Bon, donc, c'était une mauvaise idée de passer par là. On va revenir d'où l'on vient et suivre plutôt les lumières vertes. Hein. Parce que ça, c'était bien une lumière rouge, voilà. Donc, je pense qu'on va essayer de monter, comme j'avais dans l'intention. Au début, déjà, on va s'occuper de lui. Donc c'est là qu'il faut pas se tromper. Une fois qu'on est en haut... On dégomme déjà dans un premier temps ce parasite. Et il faut trouver une issue à cet étage. Voilà, là-bas, elle a l'air toute prête pour moi. On y va, ça me dit bien quelque chose. D'un autre côté, la structure Forerunner se ressemble tellement.
sont combien là-dedans? Allez, on va mettre la lumière pour pouvoir passer et y voir un petit peu plus clair. Ah, je pense que c'est bien là. On doit être à un ascenseur, ce qui va nous permettre, à mon avis, enfin de commencer à remonter. Ici Echo 419, chef, c'est vous? J'ai perdu votre signal quand vous avez disparu dans la structure. Qu'est-ce qui se passe là-dessous? Je détecte des mouvements de toutes parts. Ça fait des heures qu'on est là. Après avoir perdu le contact avec le reste de la mission, on a rejoint le point de rendez-vous. Et ces choses nous sont tombées dessus. Il faut partir d'ici. Il y a une grande tour à quelques centaines de mètres de votre position. Montez au-dessus du brouillard et des arbres, et je viendrai vous chercher. Ok. Eh bien, on va y aller. Avec les quelques survivants Marines qui sont là. Mais là, je crois qu'il faut se dépêcher, hein, parce que ça arrive. On y va en groupe, mais à mon avis... Eh bien, les voilà. Mais si on a assez de munitions. Allez les gars, on y va. On me suit. Il faut s'échapper d'ici. Bah, les gardes partout, c'est pour toi. J'aimerais bien vous y voir, les gars. Alors, où est-ce qu'ils sont, mes copains Marines? Ils sont là-bas. Se dirige, j'espère, vers la bonne structure, parce que là on est poursuivi, voire encerclé. Hein. Eh mais poussez-vous les gars! Allez, allez, on y va, on y va. Ah, je crois qu'elle est là, la tour en question, regardez. Par contre, va falloir y arriver. Ah, on est pas mal là. On est pas mal, allez. On va tous à la tour, ce qui va mettre fin normalement à ce chapitre. C'est bien ça la tour, oui. Qu'est-ce que c'est que ce vaisseau? Vérifie qu'il est mort. Et voilà, la fin du chapitre. Bonjour, je suis le moniteur de l'installation 04. Je suis 343 Guilty Spark. Quelqu'un a libéré le Flutz. Je dois l'empêcher de quitter cette installation. Mais j'ai besoin de votre aide. Venez, par ici. Chef, j'ai perdu votre signal, où êtes-vous? Chef! Chef! On vient donc de faire connaissance avec l'entité qui surveille l'installation, le 343 Guilty Spark. On se retrouve dans un prochain chapitre, à plus tard.